Bonjour, je m'appelle Candice, j'ai 10 ans, je vais bientôt passer en 6ème et c'est moi qui ai créé la chaîne Les fous d'aujourd'hui, les sages de demain, la chaîne pour les gens qui ne mangent pas comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est encore une fois une journée au Pérou et là cette fois je suis au marché. Alors beaucoup d'entre vous doivent vous dire au marché, d'accord, mais au marché il y a le même dans tous les pays. Non, parce que c'est pas tout à fait le même. Ici ils vendent des chips en vrac, en France il n'y a pas ça, ils vendent... Il y a des sections pour savoir où est-ce qu'il y a la viande, tellement c'est immense. Ils vendent des tonnes de plantes et ils vendent des bouteilles d'aloe vera, par exemple, au litre. C'est énorme! On n'a pas ça en France! Toile de mer desséchée et plein de trucs bizarres. Dégueu. On vend des ustensiles de cuisine. Ici, on mange au marché. Et le marché là-bas, il est tous les jours. Du ceviche avec. On a pris du ceviche parce que c'est une spécialité du Pérou. Et c'est du poisson cuit dans du citron. Et on a pris du gratin de patates parce qu'au Pérou, il y a 7 sortes de patates. Au Pérou, il y a 7 sortes de patates différentes. En France, il n'y en a qu'une ou deux, je ne sais plus trop. Et c'est bizarre parce qu'il y a du maïs cuit, mais qui ressemble pas à du pop-corn. Ça ressemble à du pop-corn, sauf que le pop-corn était complet et là, ça l'est pas. Après, il y a des pastels de papas, qu'est-ce que ça donne? À tomber par terre. Et le ceviche. Ça m'inspire pas trop, ça, mais bon. Par contre, c'est super bon. À tomber par terre. On est sûr que tout est frais vu que c'est dans le marché. Là, ce que je suis en train de filmer, c'est du rocoto relleno. C'est du piment farci et c'est une aussi des spécialités du Pérou. Il y a même une session ceviche. Toute une session que pour un plat. C'est énorme. Des feuilles de cactus et là-haut, ils vendent des bougies vendues deux par deux. C'est une boutique qui est immense. Et elle vend que des plantes, des trucs pour soigner, avec de la crème, du liquide, etc. C'est toute la vue du marché vue de haut. Donc là, on a la catégorie sombreros. Derrière le panneau, donc sombrero, c'est les chapeaux. Derrière le panneau, en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est des trucs pour bébés. Là, c'est les remèdes, remedios. Là, c'est le ceviche, celui que je viens de filmer. Là, c'est les fruits et les bois. Ensuite, là-bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a fruits naturels. Ensuite, il y a verduras. Il y a jus. Il y a... je sais pas ce que c'est. C'est carpaccio, je sais plus quoi. Donc il y a fruits. Après il y a polo, je sais pas ce que c'est, polo. Ah oui, c'est vrai, c'est du poulet. Ensuite, ovino, c'est de la viande. Après, là c'est fromage et œufs. Il y en a une autre derrière, mais on la voit pas entièrement, donc je peux pas savoir ce que c'est. Après il y a tapas, donc c'est pas c'est patates. Après il y a pescado, donc c'est poisson. Et après il y a porc. Tela, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être. C'est les tissus. Et puis voilà, donc après on a une vue d'ensemble sur tout le marché. Et ça sent super bon.